Salut les kids et bienvenue dans Touchetag, nouvelle génération de Touchetag. Vous voyez, je suis venu avec mon gigantesque bâton afin de vous parler des jeux qui ont un titre trop long. Dans cet épisode-ci, nous allons donc voir des jeux qui ont la particularité d'avoir un titre trop long. Fais attention à la barrière. Dans cet épisode-ci, les titres seront trop longs, les jeux le seront nécessairement aussi. Cependant, la mélange des deux va faire que ce seront des jeux qui seront particulièrement décevants. Dans ce nouvel épisode de Touchetag, la nouvelle saison de Touchetag. Surtout, soyez en sécurité. Je voudrais pas que vous alliez vous faire mal dans un épisode de Pusha. Ayez de la place autour de vous pendant l'épisode, ce serait mieux. C'est un titre licensed by Nintendo. Donc déjà, tout commence très bien. Dans un univers réalisé intégralement à partir d'aliasing, des pigeons passent à travers l'atmosphère. Nous sommes dans les yeux bleus, perdus sur un ciel bleu. Nous sommes un héros, protagoniste générique de jeux de fantasy. Il sera secondé par Trunks, Bulma et, je sais pas moi, Ralph Lauren. Dans un univers fantasy où il y a de nouveau des pigeons dans l'atmosphère, nous allons pointer notre caméra directement par-dessus le château, voir la stratosphère et apparaître dans le ciel. Dragon Quest Swords. Ça, c'est une typographie Pushta, je la reconnais. Dragon Quest Swords, The Masked Queen and Tower of Mirrors. Dans une cutscene où tout le monde flotte au-dessus du sol, Queen Cortana vous explique que non seulement vous avez récupéré l'Aurore et Mask, mais que vous avez aussi acquired a sword, et que c'est very good. Donc, vous avez remarqué, elle est réalisée, elle aussi, intégralement à partir d'aliasing, et nous avons maintenant réalisé le tour des protagonistes de cette incroyable chose. Ils ont une animation robotique, ils parlent avec des textures qui s'animent à la place de leur bouche, ils vous font des yeux chassieux directement à vous dans la caméra parce que c'est vous qui vous faites l'action. Et voilà, nous avons vu un prince avec un camel toe, nous avançons dans un loading et nous sommes un pointeur sur un écran, nous avançons, il y a une étoile au sol et un protagoniste d'une autre série de jeux Dragon Quest. C'est bien lui, l'homme avec le fez, l'homme cool, c'est le docteur, il est là, nous l'avons vu, il était là, régénéré en petit gars gros. Nous allons avancer vers ces portes où il y a un lancier suisse qui vous explique que hey, masque. Est-ce que tu vas te battre contre la lave? Alors tu peux faire yes ou no. Si tu dis no, ben tu restes dans le magnifique village. Est-ce que tu crèves? Si tu dis yes, eh ben tu vas te battre contre de la lave. Ce qui n'est pas tous les jours qu'on peut dire qu'on va aller se battre contre de la lave. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller nous battre contre de la lave dans le no-loading de les Galantine Glades. Galantine Glades, je crois que ça se prononce comme ça, c'est joli. En tout cas, il y a des petits trucs, on dirait des Dreamcatchers sur les côtés. Et voilà, donc ça c'est un jeu vidéo, il est réalisé par deux compagnies. Genius Rarity, une compagnie qui avait été fondée par Nintendo pour faire des spin-offs de Pokémon sur les consoles comme la N64, ils ont travaillé sur Pokémon Colosseum. Oh oui. Et vous allez maintenant remarquer qu'il a fallu non seulement cette compagnie-ci, mais aussi il a fallu l'incroyable concours de Aiding, qui travaillait à l'époque sur Battle Garega, ou même un jeu comme Tatsunoko versus Capcom, et ils ont réalisé là un gameplay de Yuji Horii. C'est un jeu de Yuji Horii, le Yuji Horii, le mec qui a créé Enix, le type qui a fait les jeux qu'ils sont super bien dans le domaine du RPG. Il s'est dit, je vais faire un jeu d'action, ça fait longtemps, il a donc décidé qu'il allait faire le scénar, le game design, le général direction, et que donc il allait en faire un jeu où vous vous battez avec la puissance de votre poignet en train d'essayer, je sais pas, ça fait des mouvements évocatifs avec un objet phallique en main, et vous vous battez contre des choses, vous pointez votre bouclier avec le bouton B, parce que B c'est pour bouclier, et vous êtes aidé par une petite très cool chevalière avec un nom ridicule et un doublage qui est encore pire, parce que s'il y a un truc qui est grave, c'est l'accent français quand les gens parlent anglais. Et s'il y a encore une chose qui est pire que ça dans l'histoire de l'humanité, c'est bien le faux accent français fait par des Américains. Ça, c'est absolument insupportable. Et donc là, maintenant, on va se battre contre de la lave après ce loading. Voilà, ça, c'est de la lave. Là, on est chaud, on a un Rory Mask, on a le Red Nusadner, c'est le nom de l'incroyable Moundbringer, ou de, vous savez, la Moundblade, un peu locale, et vous allez utiliser le type, il est là, non, je suis un prince avec un camel toe, je vais me protéger de l'incroyable chaleur avec ma rapière. Et donc, voilà, vous êtes de nouveau quatre gars face à l'impossibilité des éléments, il y a des lucioles dans l'air, it is so hot, nous dit la demoiselle, et c'est vrai, c'est très hot, dans ce temps-là, Rap Florence parle avec sa main mécanique, et voilà, il est temps maintenant, il s'appelle Enlace, en plus, le type, on dirait une chanson tirée de Star Academy. Toujours est-il que voilà, nous allons faire l'effort d'avoir un Rory Mask. Alors, il est évident que ce jeu est absolument nul, mais c'était un jeu qui avait une époque le nom le plus long du monde du jeu japonais sur console Nintendo. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est un record comme un autre, il faut remarquer. Regardez au loin, un Pokémon est en train de faire son nid. Nous allons donc maintenant nous battre dans un incroyable truc, parce que vous dites, qu'est-ce qui est plus dur que de se battre contre des ennemis à la con pendant des époques incroyables en utilisant une Wiimote? Eh ben, de faire des incroyables effets. Vous utilisez votre technique secrète
technique secrète de la Figure of Fate. Et nous, on va se battre maintenant, avant de faire un mouvement. J'étais à 95% de puissance dans mon bras droit. Je suis très doué avec mon bras droit. Et nous allons maintenant utiliser le pouvoir du Rednus Adner pour détruire la lave. Et voilà. Donc, c'est un jeu qui a au moins des graphismes d'Akira Toriyama, réalisés sur ses dessins, en tout cas. Et bien entendu, de la magnifique musique de Manami Matsumae, qui a travaillé sur Merz, Megaman, bien d'autres jeux que je n'ai pas besoin de vous narrer, mais qui a aussi réalisé la musique du magnifique Batman Return of the Joker sur NES. Donc, c'est un jeu, il est absolument ridicule, il est absolument nul, mais cependant, il est très plaisant parce qu'il a ce petit côté série B du jeu totalement raté, réalisé par des surhommes qui ne savent pas que vous allez vous dévisser le bras. C'est un jeu très sympathique, mais il est nul, donc bon, bah voilà quoi, hein. Ouf, Et maintenant, un jeu de catch. Il y a des moments où le temps s'arrête. Comme nous le dit le doubleur, cette magnifique publicité qui est censée nous prouver les qualités vidéoludiques de TNA Impact Total Non-Stop Action Wrestling en mode jeu vidéo. Alors je sais pas si on avait dit que le titre finirait beaucoup trop long, ou que ses chargements seraient beaucoup trop lents, mais le type, le doubleur, il avait raison. Il y a des moments où le temps s'arrête. Malheureusement, c'est quand ce jeu décide de faire un chargement. Donc avant même de commencer à critiquer le jeu, je vais vous expliquer quel est le niveau sociologique qui sous-tend toute cette question vidéoludique. Nous avons donc en Amérique plusieurs compagnies qui font dans le catch. C'est un sport qui est entre le théâtre, les arts martiaux, la lutte gréco-romaine et le soap opera et qui dispose chaque semaine face aux yeux de son spectatorat des histoires où des gens qui travaillent avec leur corps, des travailleurs manuels donc, sont ridiculisés, manipulés et surtout floués et baisés par leur proprio et leur patron, les gens pour qui ils travaillent. Et c'est quelque chose pour lequel je peux réellement avoir une forme de proximité. Je me suis toujours considéré comme un underdog et la compagnie, TNA, est totalement dominée par son ennemi de toujours, la WWE, qui est une compagnie qui, vous savez, c'est celle avec, admettons-le, les cartes à collectionner qui sont trouvables chez le buraliste et des trucs comme ça. On ne sait pas précisément pourquoi, mais votre petit neveu adore ça. Bon, admettons, votre famille a jamais été très douée dans le domaine de l'éducation, mais quand même, le fait que votre gamin de 12 ans, qui se trouve être votre neveu favori, regarde des machins aussi violents, ça fait réfléchir. Il y a un problème éducatif grave et majeur. Tandis que l'émission TNA Impact, d'accord, c'est une petite émission relativement mal foutue, réalisée avec un humour au second degré, et avec des athlètes de très haute qualité. Cependant, elle essaye de rivaliser avec le grand monstre capitaliste d'en face. Et c'est un truc, je peux aussi m'identifier totalement à ça, car moi aussi j'ai toujours produit l'option un peu mal foutue, mais avec un réel cœur, et avec des gens qui sont meilleurs catcheurs que ceux d'en face, admettons-le. Le truc, la grande différence, si vous regardez la WWE, vous regardez probablement la WWE pour le scénario, la production, les pyrotechniques et les trucs comme ça, parce que vous la regardez foutrement pas pour le catch, hein, laissez-moi croire. J'ai essayé de regarder les deux, et il faut admettre que les meilleurs athlètes sont chez TNA, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ça veut aussi dire que le niveau vraiment moyen du catch qui est en train d'être produit à la télévision américaine est plus bas qu'il l'était dans les années, je sais pas moi, 70 ou 80, mais ou même pendant la Attitude Era de la WWE, admettons-le, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ici, on a quoi? On a un produit où des gens, qui sont donc des catcheurs, ont été enlevés de leur système pour être transférés dans un jeu vidéo. Car je vous rappelle une dernière fois, le catch est un mélange de théâtre et de promotion fait par des athlètes qui sont surtout connus pour une capacité martiale. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un devient une star dans le monde du catch, c'est qu'il est capable de parler, ce qui n'est pas évident pour tous ces athlètes. Dans certains cas, ce n'est pas une attaque sur leur incroyable incapacité physique à parler ou des choses comme ça. Non, c'est juste, tout le monde n'est pas censé être éloquent. Alors, je voudrais que vous regardiez ce match, parce que c'est un peu là qu'on va faire la critique du jeu. Ça, c'est les chargements d'un seul match. Il y a un chargement, une cutscene, un chargement, cette cutscene-ci, où Bobby Roode sort de son incroyable trou qui est dans le mur, et il fait « Ouais, je suis Bobby Roode, les mecs, regardez, on m'a scanné ma tronche, et on m'a mis ça sur un bâti un peu mongoloïde de ma personne, je suis cool, j'ai $1 près de mon sexe », et des trucs comme ça, et il faut admettre, il ressemble étonnamment à son partenaire, James Storm, parce que c'est à peu près le même scan de corps, je crois qu'ils ont fait, ils se sont trompés, ils ont peut-être interverti les bodybuilds, parce que... Et alors, si on veut parler d'un type qui est aussi réaliste dans le jeu que dans la réalité, que dans la réalité que dans le jeu, et qui a pourtant l'air irréel, c'est bien Scott Steiner.
Shiner, je veux dire, vous avez vu ça? C'est probablement le mec le plus jack de la planète. Alors on sait pas s'il est défoncé aux stéroïdes comme les incroyables rumeurs méchantes des gens qui sont méchants. Et regardez-moi ce public. Ça, c'est un public, il est content d'être là, il est pas du tout en carton. Regardez-moi ça. Ils sont à l'intérieur de la scène. C'est dire s'ils ont bien placé tous ces incroyables spectateurs. C'est un jeu qui a été bien fait. Il a été bien fait par un gars, vous le connaissez certainement, si vous avez joué à Mortal Kombat 3, mais c'est Sal DiVita. C'est le mec qui jouait Nightwolf, Cyrax, Sector, Smoke, toutes ces personnes-là. Et il a aussi travaillé chez THQ San Diego sur WWE All-Stars, parce que le monde, il est petit. Et dites-vous ceci, les deux compagnies... Ici, c'est un jeu Midway Studios Los Angeles, réalisé pour Midway Games, et l'autre, c'était un jeu THQ San Diego, réalisé pour THQ. Les deux compagnies ont fermé dans les 3 mois qu'il avait sorti les sons jeux de catch chez eux. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, bah voilà. Il est aidé dans cette tâche incroyable par Scott Lane, un ancien interprète Mindscape et Midway, qui a aussi travaillé sur WWE All-Stars, pour un jeu qui s'est vendu à 1,5 million d'unités, parce qu'en plus, ce jeu s'est vendu. C'est juste que TNA, c'est une compagnie qui a pas de chance, ils ont choisi Midway, et voilà. Or, ils en sortent avec un terrible, terrible cadeau, c'est ce personnage, c'est la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, mais ils ont fait, cette compagnie de catch, d'un personnage virtuel inventé pour le jeu, ici Suicide, ils en ont fait un personnage qui existe pour de vrai, qui est joué par quelqu'un toutes les semaines. Et il n'y a pas encore très longtemps, Suicide, sous le nom de Manic, était champion de quelque chose. Ce qui est un peu con, parce que dans le jeu, ils ont oublié de mettre les ceintures, ce qui est un peu un autre ratage, il n'y a pas les femmes, parce qu'ils ont une excellente division de catcheuses, bref, c'est un mauvais jeu, mais c'est le seul qu'il y a sur cette compagnie, donc voilà quoi. Et maintenant, nous allons faire le tour, car vous avez vu, j'ai une nouvelle maison. Nous allons faire le tour de 5 incroyables titres qui ont un titre trop long. Car dans cet épisode de Touchdown, la nouvelle saison de Touchdown, nous vous parlons des titres trop longs. Quand j'ai imaginé la nouvelle génération de Pouchta, j'ai dû imaginer les thématiques qui iraient avec, et alors je me suis mis à réfléchir, et la réflexion m'a amené à cette terrible conclusion. Il y a des jeux qui ont des titres trop longs. Il y a beaucoup de jeux qui ont des titres trop longs. Je veux dire, un jeu comme XCOM, The Bureau, The Classified, ça devrait pas exister. Le titre est beaucoup trop long, et il est totalement déconstructiviste en plus, dans son approche de la manière dont on lui va faire un titre. C'est XCOM, 2. The Bureau, 2. The Classified, et encore 2 ou 3 autres signes de ponctuation quelque part au milieu. Nous avons donc maintenant des jeux qui sont censés être compétitifs dans l'une des arènes les plus terriblement violentes du domaine de l'entertainment, l'industrie vidéoludique, parce que c'est une industrie, ne l'oubliez pas, hein, le but c'est de faire de l'argent. Et donc parfois les produits qui sont produits par ce système de production ont un titre trop long. Nous avons ici 5 jeux avec diverses raisons qui les amènent à avoir un titre décidément beaucoup trop long. Alors, vous aurez certainement compris qu'il y avait beaucoup de produits dérivés dans le domaine du jeu vidéo, et celui-ci n'est pas une exception, c'est les avantages de Jimmy Neutron, l'attaque des Twonkies, encore un jeu avec un titre trop long. Nous avons donc ici l'adaptation d'un téléfilm Nickelodeon qui présentait les aventures d'un petit gars très futé avec un très très joli générique, admettons-le, c'était Jimmy Neutron. Alors ça nous donne un jeu vidéo qui est sorti sur plein de formats, mais que je vous ai ici présenté sur GBA. Il était aussi disponible, tenez-vous bien, sur Xbox, PlayStation 2 et GameCube, parce que c'était cette époque-là, voyez-vous. Donc c'est un jeu de THQ Studio Australia, descendu de les terrible, terrible plaine d'Australie en 2004 sur GBA, et c'est probablement l'une des pires horreurs que vous ayez jamais vues, avec de l'action qui est tout le temps coupée par des terribles moments où vous parlez, mais il n'y a pas de parlage, parce qu'on est sur GBA, et donc on ne sait pas ce qui se passe, et on regarde du texte qui s'affiche sur son tout petit écran. C'est un jeu qui est absolument atroce, qui est absolument effrayant. Nous avons ici certainement un jeu qui a été très apprécié par les fans de l'émission qu'il adaptait, c'était Strong Bad School Game for Attractive People, épisode 5, 8-bit is enough. Je ne sais pas pourquoi épisode 5, on doit le dire en français, comme ça les français comprennent. C'est un jeu charmant, c'est un jeu qui est réellement très pauvre, car c'est un jeu Telltale Games, et les jeux Telltale Games c'était encore en plus à l'époque prévu pour sortir sur WiiWare, imaginez-le, et c'est bien entendu ça dont il est question de Strong Bad, les aventures du mec à qui on envoie des emails et qui y répond de manière amusante. Ça l'a fait un jeu vidéo qui était bien écrit, qui était charmant, qui était bien entendu réalisé par une coproduction entre la compagnie Telltale Games et Vid Electric, c'est-à-dire les frères Chapman, Mike et Matt, les gens qui font le Homestar Runner et tout ça, et donc ça c'est un jeu charmant. Son titre est beaucoup trop long, mais il est de manière amusante, vous voyez, c'est censé être drôle. Strong Bad School Game for Attractive People, épisode 5, 8 Beats is Enough, c'est un titre vraiment très très long. Alors il y a aussi des autres titres très longs qui sont très longs parce qu'ils sont les official video game of quelque chose, vous voyez, par exemple les Jeux Olympiques de Sydney 2029,
The Official Video Game of the Movie. T'es là, quoi? Alors, je sais pas si vous avez jamais vu le Ding Dong de Peter Jackson, mais ils en ont fait un jeu vidéo du Ding Dong de Peter Jackson. Ils appellent ça Peter Jackson's Ding Dong, The Official Game of the King Kong. Tiens, c'est ça que ça voulait dire. Je me disais bien que mes D et mes K se ressemblent. Donc c'est le Official Game of the Movie, vous avez Jack Black, il est là, il fait tourner sa petite caméra. Tous les personnages qui étaient dans le film, ils sont revenus doubler les personnages qu'ils sont dans le jeu. Alors vous avez tout le monde, vous avez Jack Driscoll, vous avez la meuf dedans, Mulholland Drive. Tout est cool, tout est bien, sauf que c'est un jeu terrible, réalisé par Ubisoft Montpellier et Michel Ancel, sur une chier de format absolument impressionnante. Imaginez, Nintendo DS, PSP, PlayStation 2, Xbox 360, si j'ai bon souvenir, et la Xbox. Et voilà, c'était absolument atroce. Il est même sorti, dites-le-vous bien, sur PC, c'est la version que vous voyez ça à la qualité de graphisme, et c'est un jeu avec une philosophie très saine, totalement mal appliquée, c'est très marrant. On a dit à Michel Ancel, il faut faire un jeu où il n'y a pas de menu, il n'y a pas rien, il y a... Pas entendu, pas de menu, il n'y a pas de barre de vie, des choses comme ça, il n'y a pas d'informations à l'écran, c'est très organique, c'est très beau, ça fonctionne très mal. Et c'est un gigantesque couloir vide, et à la fin, on rencontre King Kong. Voilà, ça c'est King Kong. Vous avez aussi des jeux qui sont là certainement parce qu'ils avaient une idée thématique. Il fallait mettre tous les mots dans la phrase pour que ça fasse sens. C'était le cas de Gabriel Knight 3, Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Alors j'ai essayé d'y jouer, hein, et j'ai pas compris le système de caméra avant une heure après avoir compris que j'avais pas compris le système de caméra. Alors là, je l'ai compris. Et c'était assez fun. C'est donc un jeu, regardez les graphismes, ils sont comme ça, c'est un vieux jeu PC, il est très intéressant. Et à une époque, vous savez, Sierra Online, ils avaient des jeux qu'ils publiaient, car ils existaient, c'était une compagnie qui existait et tout. Et ils avaient la particularité d'avoir les jeux de Jane Jensen, qui avait créé Gabriel Knight, et c'était l'un des séries de jeux les mieux écrits au monde. Bon, c'est pas particulièrement bien doublé, mais c'était très bien écrit comme ça, c'était publié par Sierra Online sur Windows en 99. Nous avons vu un jeu de 99, c'est Prince qui serait content. Et nous avons ici le plus grand champion du monde, du champion du monde, du titre le plus long, et c'est un excellent, excellent jeu, c'est Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha, Diamond DX Plus Alpha, FES HD, Premium Enhanced, Game of the Year, Collector's Edition, Without Avatars, point d'exclamation. Et c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu qui est un mini faux RPG dans le style Square, assez proche de Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, mais pas réellement de Final Fantasy 6, parce qu'il faut pas déconner non plus. C'est fait par The Boyd Games, une équipe de deux personnes qui travaillent là-dessus, c'est Robert Boyd, de The Boyd, et William Sternberg, qui donne la fin du nom de l'équipe Games. Voilà. Cela s'appelle donc Cthulhu Saves the World Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha FES HD Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition Without Avatars, point d'exclamation. Et c'est un excellent petit jeu. L'artistisme, c'est la qualité des gens qui ont de l'artistisme dans leur artistisme. Les gens, ils veulent s'exprimer. Ils veulent exprimer leur création, leur créativité. Ils veulent que les gens se souviennent d'eux. Et la manière dont la plupart des gens se souviennent d'eux, c'est qu'ils mangent les œufs le matin. Mais cependant, ils font aussi ce qu'on appelle des tags, comme dans ce jeu qui est réalisé par Mark Echo. Mark Echo's Getting Up, Contents Under Pressure. C'est un jeu avec un titre vraiment trop long. T'as vu, j'ai trouvé 10 cents. Marquer la faute d'orthographe. Laissez-moi vous rappeler une époque épique où les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes, et les iPods ressemblaient à peu près à ça. Nous sommes en 2006, une époque particulièrement connue comme étant celle où les gens portaient des t-shirts Echo Unlimited. Les riches y portaient des t-shirts Echo Unlimited à l'époque. Les pauvres aussi, les hommes, les femmes, tout le monde portait des t-shirts Echo Unlimited à l'époque. Je sais pas pourquoi, ils voulaient avoir un rhinocéros sur le torse, faut croire. Donc, Mark Echo, c'est un mec, il est connu pour avoir vendu du tissu dans sa vie. Et il s'est dit, je vais continuer à vendre un volume impressionnant en appliquant mes talents à un autre type de média. Ici, il s'est dit, on va faire vidéoludique, vous savez, c'est le média que l'on vit du bout de ses doigts. Il a demandé à son pote Talib Kweli de lui faire la voix du personnage principal. Il s'appelle Train, et vu que c'est un graffeur, il colle
Coltrane, en quelque sorte, un peu partout dans la ville. Et c'est très sympathique car c'est un homme qui est plein d'un rapport Artistimsmic à sa création Artistims, et donc il va mettre son nom partout sur la ville dans un univers dystopique où le Majora est pas sympa, parce que le Majora il est pas sympa parce qu'il a tué votre papa, et là on rencontre White Mike. Alors White Mike il est albinos, il a donc pas bon, le cancer de la peau, tout ça, il t'explique qu'il vient d'un endroit qui s'appelle « Je vais te foutre un pain sur la gueule » et que le voyage va être magnifique. Alors vous récupérez un gigantesque bâton et vous lui tapez dessus, parce que c'est comme ça que ça marche dans la rue, on trouve des gigantesques bâtons et on tape sur des gens. Et voilà, c'était une section d'action dans cet incroyable assaut que nous avons vécu sur nos sens, c'est-à-dire Mark Escoke's Getting Up, Contents Under Pressure. Alors ici vous vous demandez, bah, White Mike il a fait un dessin sur le mur, alors qu'est-ce que je vais faire? Évidemment je vais passer par-dessus, je vais aller par-dessus, je vais faire un dessin et je vais l'insulter. Donc je vais faire quoi? Je vais appeler Fedez parce que je suis un fan de Scott Steiner. Et bien entendu vous n'avez pas le choix, hein. C'est ça que vous êtes censé faire, c'est une séquence où vous n'avez pas la possibilité d'exprimer votre artistisme en quelque sorte dans ce jeu, c'est un peu le premier problème. Voilà, vous avez fait un mural qu'il appelle Fedez, et alors Fedez il est gros évidemment, donc il est gros, il a des problèmes de peau, le cancer, tout ça, c'est ho ho ho, et l'on est dans un moment totalement différent. Donc c'est un jeu de The Collective, une compagnie connue pour avoir travaillé sur le titre Da Vinci Code. Maintenant, sous le nom Double Helix, ils ont participé au Killer Instinct de la Xbox One Again. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors c'était publié à l'époque en 2006, parce qu'à l'époque les gens ils portaient des t-shirts Econ Limited, alors ce jeu était vaguement viable d'un point de vue business, sauf que ça ne s'est pas vraiment vendu, hein, je vous rassure. C'était sorti sur PC, sur PlayStation 2 et sur Xbox par la qualité incroyable de ses graphismes HD réalisés dans un système de cutscene filmique. Vous savez certainement que vous êtes en train de regarder la version PC, c'est assez logique. C'est un titre produit par Keith Hardgrove, un type connu pour avoir travaillé sur le très mauvais Trespasser Jurassic Park, dont vous connaissez certainement l'incroyable efficacité. Le base de l'idée qui a été fournie ici a été fournie par, ben, Mark Echo, c'est normal, c'est son nom qui est sur la boîte, et vous aurez certainement remarqué que Mark Echo, c'est un type, bon d'accord, il vous a vendu du tissu, mais il est pas vraiment capable de faire un scénario, yo, pourtant, hein, je veux dire, il est pas très doué. Le truc de le Majora, il a tué ton papa, déjà, c'est assez radio-cliché, mais bon, tout le reste du « on va rencontrer les légendes de la graffitude et on va devenir leur pote en faisant des photographies avec notre magnifique téléphone Nokia qui prend des photos de 320 par 240 parce que placement product, les mecs, on va faire des dessins et ça va être cool. » Bon, voilà, je veux dire, c'est un fantasme que certaines personnes ont, mais c'est... Voilà, le téléphone Nokia en 320 par 240 sur les incroyables photos, parce que quand tu vois un graphe d'une légende, mec, tu vas prendre une photo avec ton téléphone de 2006, merde, c'est n'importe quoi. Puis après, tu as vu un magnifique tag d'Evader, tu vas faire des balls, des grosses balls, bien orange, bien, bien chouflu et poilu, et voilà, parce que c'est ça le tag vu par Mark Echo, c'est prout nana, quoi. Et ensuite, parce que c'est pas seulement un peu radio-cliché, vous allez aller dans une magnifique, magnifique académie artistique abandonnée, vous allez y habiter parce que vous savez, vous avez pas des parents, etc. C'est dur la vie parce que bouhouhou et tout ci tout ça. Donc voilà, l'idée que vous avez ici, c'est que vous avez un jeu qui est produit par un tâcheron, qui est Hargrove, et qui est dirigé par une merde qui s'appelle Sean Rosen, qui a travaillé sur BMX Triple X chez Acclaim, ça vous donne déjà une idée. Et qui a eu simplement, bon bah, comme un input dans cette série, de faire que, bon bah, ce sera un Prince of Persia un peu mou, et que voilà, et tu vas aller vivre dans une académie, tout ci tout ça. Bref, c'est pas exactement un type qui a bossé sur des masses de jeux. D'ailleurs, après ce jeu-ci, il n'a plus jamais travaillé sur rien. C'était le projet, on l'a dit, c'est donc dernier bon jeu. Et donc c'est un jeu qui est réellement médiocre, qui n'a absolument rien proposé, si ce n'est la longueur de son titre. Et à la fin, je vais vous dire ce qui se passe à la fin. On rencontre des clodos, on devient ami avec eux, et ensuite on s'approche d'un brasero, on prend feu, et bon bah voilà, on fait des petits bruits assez évocateurs, et l'on meurt. C'est comme ça, dans Touchta. En 2006. 72.
C'est pas Pushta, ça? Très.